Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très courtois dans vos commentaires. À travers un décret rendu public dans la soirée de ce jeudi 13 juillet 2023, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a limogé deux éléments du groupement des forces spéciales. Il s'agit du sous-lieutenant Tiomo Boubacar Diallo et de l'adjudant Mamadou Aliou Diallo. Selon le dit décret, ces deux militaires ont été limogés, l'un pour vol d'argent et l'autre pour désertion. Si des sous-Réveil d'Afrique vous proposent l'essentiel de ce décret. L'article 1er, les militaires dont les prénoms et noms suivent sont radiés des effectifs des forces armées guinéennes. Ce sont le sous-lieutenant Tiomo Boubacar Diallo du groupement des forces spéciales matricule 280-65G pour désertion. L'adjudant Mamadou Aliou Diallo du groupement des forces spéciales matricule 362-73G pour vol d'argent. L'article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée, Conakry, le 13 juillet 2023, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Eh bien les amis, c'est donc ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez toujours abonnés et écoutez à votre chaîne préférée de l'information, Réveil d'Afrique. Partagez toujours avec vos amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt donc pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.